Salut tout le monde, c'est quoi? On se retrouve aujourd'hui dans les Sims 3 pour le sixième volet de mon aventure avec Quam Oengus. Un petit bilan de Quam Oengus. Alors, Quam Oengus est maintenant découvreur de nouveaux talents. Donc, son boulot, c'est de s'assurer que tout le groupe va bien, de trouver des concerts, d'essayer de trouver d'autres musiciens pour au cas où et puis se tenir prêt s'il y a un petit problème. Bah, on appelle Quam. Alors, demande aussi de trouver des femmes, mais bon, voilà. C'est assez tendancieux d'ailleurs. Hein. Trouver une femme, des femmes, bref. Passons. Mon chat va bien. Mon chat fait le guet voilà, devant sa bouffe. C'est normal. Ensuite, donc, on m'a dit parler des compétences. Alors, la compétence, vous voyez, donc j'ai 2 en charisme, 4 en cuisine, 5, 6 en guitare, 5 en bricolage, 1 en logique et 1 en écriture. Voilà. Alors où est mon Quam? Mon petit Quam, il est là. Hop là. Pourquoi est-il là? Parce que voilà, en fait, il s'est passé quelque chose encore une fois. Bon, j'espère que ça n'ira pas toujours aussi vite, mais bon, voilà, mon Quam là, il va descendre. Pourquoi va-t-il descendre? On va le suivre. Voilà, Quam, on va le suivre. Voilà pourquoi. Attention, car la mort a encore frappé chez Quam. Quam Oengus a fait une deuxième victime. Quelle tristesse! Et voilà, Quam qui va pleurer la mort de Perséphone Anne. La pleurer? Non. Il est content. Il se dit, une de moins, ça fera toujours ça. La mort qui va l'éjecter. Et hop là! Voilà, c'est bon. Hop! Petite parenthèse, je m'épose. Car là, vous voyez, la tombe est là. Et là, je veux absolument la récupérer. Donc on va attendre un petit peu. Voilà. Ça devrait être bon normalement là. Ah, je peux pas la récupérer, putain. Allez! Voilà. Putain, j'ai. Ah, mais pourquoi elle a disparu? Putain! Bordel, le merde. Ouais, excusez-moi, je suis vulgaire. Bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais? Bon, là, il y a le feu. Et les mecs, allez, on va l'éteindre. Putain, excusez-moi d'être vulgaire, mais là, je suis dégoûté. J'avais réussi à récupérer la tombe dans un. J'avais testé déjà une fois. J'avais réussi à récupérer la tombe. Et là, pour le coup, voilà, comme par hasard, je savais hein, que quand j'allais enregistrer, ça n'avait pas fonctionné. Comme par hasard. Ça, c'est vraiment le truc. Toujours pareil, hein. On filme pas, ça va, on filme, boum, ça marche pas. Bref. Donc là, vous voyez, il peut passer, mais j'ai la porte n'est ouverte que pour moi. Donc lui ne pourra pas sortir. Voilà, bah écoutez, on va essayer de lui mettre un petit lit. Quand même. Je sais, j'avais mis un lit à l'époque, mais je l'avais viré parce que personne n'y allait. Mais là, je vais lui remettre un lit. Voilà. Voilà. Comme ça, s'il a envie de dormir, il ira dormir, le vieux. Voilà, bah écoutez, c'était encore une toute petite vidéo pour vous montrer un peu la mort de la troisième. Enfin, la troisième mort de Quam Oengus, le troisième meurtre de Quam Oengus. Je vous dis à bientôt. J'espère que pouvoir vous montrer un peu plus de choses la prochaine fois, c'est-à-dire que. Voir un peu l'évolution de comment la personne en arrive à en bas et tout, voir si. Si je me plante, si ça foire, si je réussis ou pas, enfin bref, essayez de montrer un peu plus de choses. Voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Merci à tous de suivre les vidéos. Vous n'êtes pas nombreux, mais ça fait toujours plaisir quand même. Merci pour vos commentaires et je vous dis donc ciao ciao et à la prochaine.